bienvenue sur le podcast Biomécanique, l'émission qui reçoit des pratiquants de musculation exceptionnels pour parler d'entraînement, de performance, de motivation, mais aussi des blessures et obstacles qui paralysent la progression. L'objectif de ce podcast, vous aider à améliorer votre entraînement et vous débarrasser de vos blessures. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Biomécanique. Aujourd'hui, je vais recevoir Juanito, qui est coach sportif, spécialisé en musculation, en nutrition et performance. C'est un ami et proche de Michael Gundil, notamment, Christophe Bonnefond et Jean-Jules Le Musclé, qui sont des acteurs dans le domaine de la musculation très connus. Et donc, Juanito, c'est également l'un des coachs les plus suivis et écoutés sur les réseaux sociaux. Dans cet épisode, il va notamment nous partager le modèle qu'il a suivi lorsqu'il a commencé l'entraînement en salle de sport, à quel âge il a commencé et comment il a réussi à développer un gros potentiel physique, ce qui lui a notamment valu le surnom de Robocop par ses camarades à l'époque. Il va nous partager plusieurs conseils comme comment améliorer son intégrité grâce à la pratique du sport, savoir si vous êtes plutôt fait pour un sport individuel ou un sport collectif. On va aborder différentes raisons lorsqu'on démarre la musculation, celles qui sont bonnes, celles qui sont mauvaises, comment on peut influencer sa génétique dès son plus jeune âge. Ensuite, on a pas mal parlé du comportement humain, mais lié à la pratique du sport et à l'atteinte des objectifs, notamment comment votre comportement influe véritablement sur votre évolution, quel que soit votre objectif, que ce soit la prise de muscle, la perte de gras, ou la recherche d'une performance ou d'objectifs personnels. Se comparer aux autres, notamment d'autres modèles, peut être le meilleur moyen de ne pas réussir à atteindre ses propres buts et donc de s'auto-saboter. Juanito va également nous partager ses blessures qu'il a rencontrées tout au long de son parcours de sportif. Il va nous parler aussi de quels sont les compléments alimentaires les plus efficaces contre l'apparition des tendinites. Pourquoi si peu de thérapeutes finalement sont spécialisés en musculation ou en préparation physique, que ce soit en médecine, en ostéo, en kiné, et la réalité qu'il y a derrière. On va parler un petit peu plus de morphologie, d'aspects techniques sur la longueur des membres, la longueur du tronc et comment ça peut influer sur vos mouvements et vos performances. Et une petite question, êtes-vous un coupé cabriolet ou un break? Je trouvais cette analogie assez intéressante par rapport au sujet de la discussion. Et je vous en dis pas plus, et je vous laisse tout de suite avec la conversation que j'ai eue avec Juanito. Quant à nous, on se retrouve en fin d'épisode. Juanito, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour Jérôme, merci de ton invitation. Moi, ça me fait vraiment plaisir que tu aies répondu positif à l'invitation. Une petite question que j'aime bien poser pour commencer, c'est est-ce que tu te rappelles la première fois que tu es entré dans une salle de musculation? Ta première expérience, comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Il y a tellement longtemps. J'essaie de me remémorer parce que c'était plus ou moins à la même période. Je faisais la musculation chez moi. J'ai commencé la musculation il y a à peu près 20 ans. Donc, bon, tout ce qui est réseaux sociaux, ça n'existait pas. Donc, on va dire que les seules, déjà, motivations extérieures, c'était les action héros des années 80, 90. Arnold, Stallone, Jean-Claude Van Damme. Et mon frère, qui lui-même faisait de la musculation, il avait un niveau exceptionnel. Et je m'entraînais chez moi. Je m'entraînais avec les haltères de mon frère et je l'imitais tout simplement, puisque je n'avais pas de magazine ou autre. Et la première fois où je suis allé dans une salle de musculation, je crois que je devais avoir 16 ou 17 ans. C'était une vieille salle d'haltérophilie. Et les poids étaient déjà rouillés à l'époque. Et chose rigolote, j'ai mis il n'y a pas longtemps une vidéo sur mon Instagram et ma page Facebook de cette salle-là où je présente quelques mouvements, et c'est vrai que ça avait un effet un peu nostalgique, et la salle, on va dire qu'elle n'avait pas vieilli ni rajeuni forcément, mais elle était très vieille. Et ce jour-là, quand j'avais l'impression de redécouvrir la musculation, parce que j'avais plein d'accessoires, de poulies et tout ce que tu veux, des machines dont je n'avais même pas l'idée de la connaissance, en fait, de la que ça existait, parce que autant aujourd'hui de dire que on a trop d'informations, c'est une réalité. Mais à l'époque, il y a 20 ans, c'est qu'on n'avait pas d'informations. Et rien que le fait d'avoir Internet, c'était un luxe. Donc, quand j'ai découvert ces salles-là, cette salle d'haltéro, c'est vrai que j'avais l'impression que c'était un peu Disneyland, alors qu'elle était tout pourrie, hein, je ne vais pas te mentir. Et par la suite,
j'ai été amené à découvrir dans d'autres salles, beaucoup plus, entre guillemets, culture physique ou autre. Et là, c'est clair et net que mes entraînements ont pris un niveau supérieur. Ouais, et quand t'as démarré, c'était quoi ton objectif initial? Ben, tu as envie de ressembler en fait, simplement à tes héros de films d'action, etc. Donc, moi, je te cache pas que mon ancrage, donc quand on parle d'ancrage, c'est quelque chose, une idée, quelque chose qu'on a mis au fond de nous-mêmes, qu'on active, par exemple, pour nous motiver. Donc, mon ancrage, moi, c'était Stallone. Je voyais donc ces films Rocky, Rambo, etc. Et je trouvais que voilà, c'était le mec qui puait la motivation. Le mec, il respirait, il transpirait la motivation. Et il suffisait juste que je mate, par exemple, un film que j'avais envie toute la nuit peut-être de m'entraîner. Et c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. Et donc mon stimuli de base, c'était ça. C'était de voir ce gars-là, c'est de voir ces gars, des super-héros qui avaient entre guillemets, des super-pouvoirs. Et je voulais être comme eux. Alors non pas que je me sentais peut-être mal dans ma peau, non, mais disons que plus jeune, on va dire que dans ma famille, il y a pas une super bonne éducation alimentaire. Et par ce biais, tous, hormis mon frère, on était tous un petit peu rondinés, on va dire. Et moi, disons que par rapport à mon poids de corps, ma taille et autres, j'avais un bon surpoids de 15 kilos. Et vers l'âge de 12 ans, je me suis dit, mais attends, j'ai pas envie de rester porc comme ça toute ma vie. Et j'ai commencé à faire peut-être 4 heures de sport par jour. 4 heures de sport par jour. Et mon alimentation, est partie à 180 degrés. Et à chaque fois que je m'entraînais, que je faisais des pompes, que je faisais des tractions, que je courais, que je faisais donc du cross et autres, je sentais que je m'améliorais. Je vivais en fait mon amélioration. Et à l'école, j'avais des surnoms comme Robocop, Rambo, Musclor. Enfin, j'avais tous les potentiels, on va dire, de pseudo. Alors, on m'appelait Robocop, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui faisait beaucoup d'endurance, et je faisais la compétition en même temps, et j'étais en fait une montre à quartz. C'est-à-dire que, par exemple, on me demandait, bon, ben, ce tour de piste, je veux que tu cours, je le maîtrise en 1 minute. Bon, ben, sans montre, sans rien, sans truc, je courais tout le temps à la même seconde, par exemple, 30 tours. Autre exemple, au niveau donc des sports de lutte, des sports de personnel de sprint, ce que tu veux, il y avait tout le monde et il y avait moi. Alors que je suis pas un grand gabarit, moi, je suis 1 m 71. Là, je suis aux alentours des 80 kilos, mais à l'époque, moi, je faisais pas ce poids-là, mais j'ai jamais été grand. Et en fait, mes capacités, mes qualités physiques, comme je les ai travaillées très très jeune, j'étais tout le temps au-dessus des autres. Mais je me suis jamais comparé aux autres. C'est-à-dire que je regardais les autres, je me disais, mais putain, mais ils sont nuls. Mais je me comparais toujours par rapport à moi-même. Je te donne un exemple. Il y avait un sport que j'aimais bien, c'était le sprint. Et lorsqu'on est jeune, tu fais que des sprints de 60 mètres. Et personne ne voulait courir dans ma série parce que je leur mettais 10 mètres sur 60 mètres. C'est-à-dire que en fait, ma course, je courais seul. Et quand je regardais le chrono, moi, en fait, je courais contre mon chrono. Je courais pas contre les autres. Parce que les autres, ils étaient complètement largués. Et dans le temps, j'ai essayé de trouver des sports où je me challengeais un maximum. Et pendant plusieurs années, j'ai fait du cyclisme sur route notamment. Ça, c'est vraiment très difficile parce que quand tu es tout seul, quand tu crèves la gueule ouverte, j'y ai pas d'autre terme, en train de monter un col, ou bien il te reste encore 60 km de course et tu as des crampes, tu n'as t'es pas bien assez hydraté, etc. Je peux te dire que le mental, en réalité, tu t'entraînes pas avec ton corps, tu t'entraînes uniquement avec ton mental. Et ça, c'est une notion qui a été extrêmement importante dans ma vie, le mental, c'est que je l'ai cultivé avec le sport. Et pour les personnes que je suis, en réalité, je leur dis que la musculation, le sport en soi, on s'en fiche. Mais le fait en fait, ils font tous les jours du sport, c'est un travail d'autodiscipline. Le fait d'aller tous les jours à la salle de sport ou de toujours aller courir, peu importe l'activité, en fait, c'est un travail d'autodiscipline qui nous permet d'augmenter notre intégrité. C'est-à-dire que, admettons, je dis quelque chose, je le fais, j'augmente mon intégrité. Par contre, si tous les jours je dis quelque chose, mais je ne le fais jamais, au final, je suis un gros loser. Et je ne serai jamais amené à moi-même me faire confiance. Donc, je viens de te dire que le chemin ça, initial, c'est genre, je suis entré dans une salle de sport. Je faisais déjà la musculation depuis 4-5 ans. J'ai découvert un univers, tu vois, un peu sympa. Et je m'en suis vraiment passionné. Et par la suite, j'ai toujours
lier ça à des sports plutôt solo, parce que les sports d'équipe, j'étais tout le temps, on va dire, j'étais pas à l'aise dans les sports d'équipe, dans le sens où je ne voulais pas que si, par exemple, je perds, soit la faute de Tartampion. C'était, si je perds, c'est ma faute. Si je perds, je ne suis pas assez entraîné. Si je perds, c'est parce que j'ai une mauvaise stratégie de course, etc. Alors que lorsque j'étais dans des trucs de basket, de foot, de handball, ce que tu veux, j'avais beaucoup de mal. Cet aspect-là de travailler en cohésion avec les autres, et dans la défaite, de me dire, putain, j'ai perdu parce que j'avais une équipe de merde. C'est vraiment quelque chose que j'ai jamais trop. Non pas que je sois mauvais, mais cet aspect de je ne peux pas contrôler les choses. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression, oui, que dans pas mal de, enfin, j'ai pas mal d'athlètes ou de sportifs qui pratiquent la musculation ou même des sports individuels, c'est une composante qui revient beaucoup. Cette histoire de les résultats ou en tout cas les performances qu'on atteint sont dues uniquement à soi et il n'y a aucune dépendance par rapport aux autres. Je crois que c'était aussi, alors pour le coup, c'est Kobe Bryant qui est un basketteur donc qui joue dans une équipe collective mais qui avait énormément du mal qui était très sévère envers lui-même, mais enfin envers ses coéquipiers, mais autant qu'il était envers lui-même, quoi. Je vois tout à fait. Et c'est vrai que dans un aspect de collectivité et de travail collectif, c'est quelque chose que soit, je pense, naturellement tu l'es, tu peux être un leader, tu peux être dans la communication, tu peux être dans l'échange. Mais une personne qui, dès le départ, c'est quelqu'un qui a un aspect assez solitaire dans la vie, aura du mal potentiellement à faire ces échanges-là, à naturellement aller vers l'autre potentiellement. Moi, je suis quelqu'un qui est assez solitaire, tu vois. Non pas que les gens me font chier ou autre, hein, c'est pas ça. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai une certaine, on va dire, comment dire, connexion entre mes objectifs, entre mon quotidien. J'ai une relation particulière en fait avec les gens dans le sens où je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et par ce biais-là, c'est vrai que c'est compliqué d'interagir avec certaines personnes parce qu'on voit très bien que c'est des gens qui sont très superficiels et ils sont beaucoup dans le paraître ou autre. Et dans le sport, hein, c'est vrai que certaines personnes font du sport pour des mauvaises raisons, tu vois. Souvent, et souvent la musculation, quand on voit dans les salles de sport des gens qui font de la musculation, beaucoup le font pour mauvaises raisons. Ils le font pour plaire à d'autres personnes. Mais avant tout, il faut se plaire à soi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont vouloir, par exemple, s'exposer à six-pack bien saillant l'été. Et comme ils s'en foutent arrêter de la musculation ou du développement de soi, bon, mais ils vont passer par des stéros pour qu'en 6 mois, ils aient les résultats de 4 ans de travail, par exemple. Donc, autrement dit, cet aspect-là, c'est une notion qui est aiguë pour moi. Et c'est le sport collectif, je pense qu'il faut initialement avoir une éducation qui tend dans ce sens-là. Et moi, j'ai toujours été assez solitaire. Pour en revenir sur tes débuts de sport, donc quand tu étais au collège, lycée, là, tu m'as dit que tu avais 12 ans, que tes performances enfin, étaient vraiment énormes par rapport à tes camarades. Comment tu expliques cet écart? Est-ce que tu penses qu'il y a une grosse part de génétique, que tu avais des grosses prédispositions sportives, ou c'est uniquement de t'être Le uniquement. travail, je t'ai Ouais. expliqué, c'était avant que je fasse mes 13 ans. En l'espace de 6 mois, j'ai perdu l'équivalent de, mettons, en termes de composition corporelle, c'est comme si je perdais, je sais pas, 15, à peu près 20% de matière grasse. À partir de là, le sport est devenu un peu une addiction. Par exemple, je vis à la campagne. Et à côté de chez moi, j'ai des terrains pour faire de cross, du 4x4, du VTT, ce genre de choses. Et après, j'ai des routes. On peut pratiquer un peu en vélo, pas comme en ville. Et ce qu'il y a, c'est que je m'entraînais, mais quand je dis je m'entraînais des heures, c'est je m'entraînais des heures. Hein. C'est-à-dire qu'en amont, je me suis dit que moi, mes leitmotiv, c'était un peu Jean-Claude Van Damme, etc. Et Jean-Claude Van Damme, à l'époque, j'en souviens, aux alentours des 95, 96, 97, il disait, oui, moi... Par exemple, je fais 3000 pompes, je sais plus ce qu'il y a, des bits comme ça. Et moi, mon challenge, lorsque j'avais 13, 14, 15 ans, et que j'avais pas encore beaucoup d'haltères ou d'accessoires, ben, je faisais 1000 pompes, 1000 abdos, 1000 tractions par jour. C'était mon délire. Je faisais à peu près des 30, 300 le matin, 300 le midi, 300 le soir, à peu près. Et ce qui fait que rien que là-dessus, j'avais une capacité d'endurance et de force qui était anormale par rapport à mon âge.
Et c'est vrai que mes copains, ils aimaient bien faire des grats de fer à plusieurs contre moi, parce que j'avais une force qui n'était pas normale pour mon âge. Et tout ce qui est aspect endurance et puis qualité physique, je dépassais tout le monde, non pas de façon orgueilleuse ou autre, parce qu'en fait, je m'entraînais tous les jours. Autrement dit, je pense que d'ailleurs, je viens de te dire une réalité physique que j'ai compris plus tard avec les études, mais ma morpho-anatomie aujourd'hui est typiquement liée à ma croissance et mon sport quand j'étais ado. Parce que j'ai des, comme, je sais pas si tu as vu, mais j'ai des segments qui sont relativement courts. C'est-à-dire que moi, je suis breviligne. Ouais. C'est-à-dire que j'ai des segments inférieurs et supérieurs qui sont relativement courts, un tronc qui est normal au niveau de la colonne vertébrale, et tout simplement parce que j'ai fait beaucoup d'hypertrophie lorsque j'étais adolescent, mais trop. C'est-à-dire que quand on dit la musculation est mauvaise pour l'adolescent ou la croissance, il ne devient mauvais que lorsqu'on est dans le trop. Et comme moi, j'ai toujours été un peu dans no pain, no gain lorsque j'étais adolescent jusqu'à à peu près même 25 ans, c'est pour ça que ni plus ni moins, aujourd'hui, ma morpho-anatomie est liée à ça. Par exemple, si j'avais été un jeune homme, un adolescent qui faisait du basket ou du handball ou autre, peut-être que je ferais 1m118, tu vois. Okay. Et j'aurais des segments qui sont plus lents. Mais je me suis ultra spécialisé dans la culture physique, la force, tout ce que tu veux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mon physique, j'ai réussi à développer plus que je n'aurais pu développer si j'avais fait, on va dire, une autre genèse dans mon adolescence. Alors ouais, tu penses que cette pratique intensive comme ça a joué sur ta morpho-anatomie, sur ton développement? Là, on parle de segments de longueur osseuse, voilà le fait d'être breviligne, d'avoir les segments, les bras longs, les bras courts, etc. Donc ça joue, on en reviendra un petit peu après. Est-ce que tu crois que ça a eu aussi une influence sur la morpho-anatomie, enfin musculaire, c'est-à-dire vraiment le fait d'avoir des muscles longs qui se sont développés, qui se sont rallongés? La lésion tendineuse, longueur de muscles, la peau névrose, tous les fascias, non, pas forcément. Par contre, ce qu'il y a, c'est que j'ai stimulé ma croissance musculaire, tu vois. Et ce qui fait qu'à quel moment de ta vie tu as le plus d'hormones de croissance, encore hormis quand tu es bébé, hein, et que tu as ta libido, pas libido, on peut dire, mais ta testostérone qui est bonne, c'est lorsque tu es adolescent. Et autrement dit, ce qu'il y a, c'est que la plus grande partie de ma croissance musculaire, je l'ai fait à cet âge-là, de mes 13 ans jusqu'à mes 20 ans. Après, j'ai fait une pause pendant 2 ans, mais qui n'était pas voulu, c'était obligé, par le travail. Mais pendant ces 6-7 ans d'années de suite, j'avais quasiment développé tout mon potentiel. Donc, tu t'es créé un gros, ouais, c'est ça que j'allais dire, un gros potentiel ou une grosse capacité de développement musculaire par la suite après. C'est-à-dire que les personnes qui me connaissent depuis que je suis ado, que je suis au collège, certains, j'ai gardé contact, ils savent très bien que, en réalité, j'ai toujours été musclé. Et ce qui fait que quand ils me voient aujourd'hui, ils me voient, je suis moi, je veux dire, en soi. Et par exemple, une personne qui me découvre, il va dire, oh putain, ce mec, il est super musclé, bon, il est dopé, bon, ce qu'il veut. Peu importe ce qu'il pense. Et par ce biais-là, ce qu'il y a, c'est que il faut comprendre, c'est que moi, quand j'ai commencé la musculation, c'était pas la mode. C'est-à-dire que je t'ai montré du doigt. Quand j'ai commencé, même quand j'avais 20 ans, et que si j'allais à la plage torse nu, mais tout le monde me regardait. Mais pas dans le sens admiratif, dans le sens, c'est quoi cette bête de foire? Ce qu'il y a, c'est que je n'ai jamais fait les choses pour l'extérieur, j'ai toujours fait les choses pour moi. Et le fait que je prenais beaucoup de plaisir à m'entraîner, beaucoup de plaisir à me dépasser, à toujours voir mes performances augmenter, je te cache pas, j'avais un sentiment de fortifier tout ce qui me constitue en tant qu'homme. Et pour te dire à quel point l'homme est particulier, lorsque je fais de la compétition en fait de cyclisme, au début quand j'ai commencé la compétition, mon rapport poids-puissance taille n'était absolument pas avantageux. Parce que je rentrais dans un sport où il faut être une brindille, alors que moi, j'étais plutôt ultra tanké et je ressemblais plutôt à un gymnaste. Je me suis, avec des mois, des années d'entraînement, je suis devenu de meilleur dans cette spécialité donc, qui est le cyclisme. Et jusqu'à présent, jusqu'à que j'étais moyen, on va dire, dans le peloton, les gens avec qui je m'entraînais dans mes clubs, j'étais le copain, j'étais gentil, etc. Mais le jour où je suis devenu meilleur qu'eux, et j'étais tout le temps dans le top 5, ben les mecs, ils me parlaient même plus. Les mecs, ils étaient devenus jaloux. Ils étaient devenus envieux. Et c'est là que, pour la première fois de ma vie, j'ai senti cette différence-là.
à quel point, lorsque on est meilleur dans ce domaine, les gens peuvent, en fait, au lieu de prendre, s'inspirer, au contraire, ils vont vouloir te descendre parce qu'eux n'arrivent pas à faire ce que tu arrives à faire. Bah, est-ce qu'il y a un comportement. Ouais, c'est un comportement pour le cerveau normal, hein. C'est une façon aussi de se rassurer et de se dire que qu'on est normaux, quoi. Ouais, ce n'est pas normal en soi, parce qu'il n'y a pas de normalité. Cependant, selon notre éducation, Selon nos propres, ouais, nos propres standards et notre perception des choses, quoi. on a des croyances, ce qu'on appelle des croyances limitantes ou pas. Et bien ça, c'est typiquement des croyances où la personne va penser que l'autre personne, comme en fait elle s'est auto-conditionnée que c'était impossible de le faire, si elle le fait, c'est parce qu'elle passe par des biais externes, du dopage, que tu veux. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsque j'avais 15-16 ans, donc je te dis un truc, ça c'était il y a 15 ans au moins, et bien ce qui est incroyable, c'est que les jeunes qui faisaient du cyclisme avec moi, et bien les meilleurs, les champions dans nos catégories, déjà ils se dopaient à l'époque, alors que les gars, c'était des adolescents. Aujourd'hui, quand tu parles de dopage dans la salle de sport, putain, c'est une gangrène. Mais quand tu parles de ça il y a quasiment 20 ans, dans le cyclisme, et qu'ils trouvaient des moyens de retarder la fatigue, des moyens d'augmenter l'oxygénation des cellules, des globules rouges, etc. Mais putain, mais t'es un enfant. Et je trouve ça, quand je prends du recul maintenant que je suis adulte, je trouve ça mais horrible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de te dire, le sport peut être extrêmement beau en soi, parce que ça nous permet de nous développer, ça nous permet d'aller au plus loin de nous-mêmes au point de vue de notre développement. Comme je t'ai expliqué, je vois le sport aujourd'hui comme une autodiscipline. D'accord? Il y a un aspect plaisir, il y a un aspect loisir, c'est certain. Mais quand je parle de performance sportive, et quand je parle d'aller au plus loin, l'état mental et le travail mental est une pierre angulaire qui, en fait, c'est un édifice. C'est-à-dire que tu as les capacités physiques et physiologiques de la personne, mais si le psyché n'est pas travaillé, la personne sera toujours dans la limitation de ses performances sportives. Tu vois? C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'introduction d'accompagnement en fait mental dans le milieu sportif professionnel. Et de plus en plus, et ce qui m'amène, la transition est parfaite, puisque sur ton site, tu proposes de la thérapie comportementale. Comment tu t'en es rendu compte que enfin, c'était à ce point si important? Comment tu l'inclus dans tes programmes de coaching? Et j'imagine que tout le monde n'est pas forcément sensible, a priori, surtout en ce qui concerne le débutant, qui veut un programme, qui veut être suivi. Comment tu l'amènes ça? Alors, je viens de te dire un truc. Quand tu commences un domaine, tu ne sais pas ce que tu sais, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, et tu ne sais pas encore ce que tu ne sais pas. Donc ça, c'est la courbe de la croissance. Tu commences à faire ta musculation, ça y est, tu crois tout savoir. Dans tout domaine. Et au fur et à mesure, tu commences à voir, en réalité, tu ne connais rien. Il y a une notion qui est importante, c'est que, comme je t'ai expliqué en amont, on a tous un peu des croyances limitantes. Et on a tous un bagage informatif qui est dû à notre environnement social. Les parents, les gens avec qui on traîne au boulot, ou les copains à l'école et autres. Ce qui fait qu'on cultive nos croyances en rapport à toutes ces interactions. Toi, Jérôme, tu le cumules de toutes tes expériences de vie. Moi, Juan, je suis le cumul de toutes mes expériences de vie. Et ce qu'il y a, c'est que selon les gens avec qui tu as traîné, selon les gens, ton éducation, par exemple, le terme échec ne va pas avoir la même connotation. D'accord? L'échec est un excellent exercice en soi. Pour d'autres personnes, l'échec, c'est montrer qu'on est nul, qu'on est mauvais. Voilà. C'est ancrer l'idée, quelque chose de négatif, ce qui est abominable et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Maintenant, j'ai remarqué avec le temps, lorsque j'ai commencé mes coachings, au début, c'était simple. On me demandait des programmes et tout, mais je n'avais pas forcément de suivi. Donc, je parle de ça, c'était il y a beaucoup d'années quand même. Et je notais pas forcément, voilà, je ne faisais pas de suivi. Au fur et à mesure, je me suis dit, bon, je vais incorporer, donc il y a pas une année encore, il y a 5-6 ans, je vais incorporer le suivi dans mes programmes pour voir un petit peu comment avancent les gens. Certaines personnes, bon, elles étaient déjà des personnes expérimentées, donc elles n'avaient pas besoin que je les tienne par la main. D'autres personnes, j'ai remarqué que, en réalité, je leur faisais les programmes, mais ils ne faisaient même pas les programmes. J'ai remarqué que un point central à toute solution se passe par la diète. Mais je n'ai compris qu'avec le temps, c'est, on va dire que beaucoup de personnes en réalité savent comment, tu vois. Mais
Et ce n'est pas parce que tu sais quelque chose que tu le mets en pratique. Par exemple, la clope. Tu sais très bien que c'est mauvais pour ta santé, c'est pas pour autant que tu vas arrêter de fumer. Bon. L'alcool, tu sais très bien que ça te met dans les états pas possibles, ça te fait grossir, c'est pas pour autant que tu vas arrêter de boire. Bon, ce n'est pas le fait de savoir quelque chose qui fait que on change quelque chose. Et c'est là que en fait, j'ai compris un élément qu'il fallait impérativement en fait, que je comprenne comment fonctionnait le cerveau et comment fonctionnait notre comportement. Autrement dit, je suis devenu un peu comportementaliste. J'ai analysé le comportement des gens. En même temps, ça me permettait de mettre des pistes d'études spécifiques pour faire des formations et moi-même des études personnelles. Et petit à petit, j'ai compris comment fonctionnait le comportement. Tu vois? Et c'est là que j'ai trouvé en fait une clé qui m'a permis de déverrouiller plein de problématiques que j'avais au niveau des suivis et plein de problématiques que j'avais au niveau de mes clients. Tu comprends? Donc, autrement dit, ce n'est pas parce que tu sais quelque chose que ça va influencer la résultante. Tu sais que la cigarette, c'est mauvais pour ta santé? Mais pourquoi t'arrêtes pas? Parce que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce qui est le avant, le amont. Quel est le déclencheur? En fait, à quoi correspond quand tu fumes en réalité? Qu'est-ce qui se passe dans toi? Pourquoi tu as ce réconfort? Pourquoi tu as ce schéma, on va dire, cérébral qui t'amène à la cigarette? C'est ça qu'il faut comprendre. Tu as un point de départ. La bouffe, c'est pareil. Lorsqu'une personne a un trouble du comportement alimentaire, mais elle sait très bien que lorsqu'elle fait une crise de boulimie, c'est pas bien. Ou une crise vomitive, elle sait que c'est pas bien. Et c'est pas parce qu'elle sait que c'est pas bien que ça l'empêche de la faire. Et donc, par ce biais-là, quand tu es amené à comprendre en réalité le avant, donc le avant la crise, tu es amené à comprendre justement qu'est-ce qui t'a amené à faire cette crise. Et par la suite, donc, ne plus faire ces crises-là. Au niveau de la perte de poids, au niveau donc du changement physique, il y a une notion qui est très importante, c'est que les gens qui veulent perdre du poids, ils n'ont pas confiance en eux. Ils ont une mauvaise image d'eux. Ils ont une image tronquée d'eux. Ils ne s'aiment pas. Autrement dit, j'ai envie de te dire que la perte de poids est plus une reconstruction de soi qu'aurait été juste une transformation physique. D'accord? Et maintenant, sur un aspect plus sportif, l'aspect donc de construction musculaire, lorsqu'une personne est démotivée, on va essayer de trouver les points, les clés qui l'amènent en fait à se démotiver. Est-ce que c'est par exemple, la vitesse à laquelle il n'arrive pas à progresser? Est-ce que c'est parce qu'il se compare à des sets de référence qui sont trop hauts? Par exemple, moi-même. Si je me compare, par exemple, à Arnold lorsqu'il a gagné l'Olympia, tu comprends bien que j'arrête la muscu demain. Le mec, il a une génétique, un pour un million, quoi. Une personne qui a besoin de perdre du poids ou une fille, admettons, qui se compare. Donc, elle fait, mettons, 1,70 m, elle fait 65 kilos. Donc, elle aimerait perdre un peu de poids. Mais si elle se compare tout le temps, par exemple, à une top fitness, admettons qu'elle gagne une compétition, tu comprends bien que le delta, son set de référence est tellement élevé, ou à Michelle Wynn, par exemple, pour dire un nom. Tu comprends bien que son set de référence est tellement élevé qu'elle va s'en écœurer. Elle va se dire, je suis dégueulasse, je suis grosse, etc. Et en fait, elle va s'auto-saboter. Et par ce biais-là, elle va se dévaluer toute l'image qu'elle peut avoir d'elle-même. D'accord? Donc, l'idée ici, déjà, c'est de faire attention à nos sets de référence, de faire attention à nos modèles. Parce qu'une personne, par exemple, qui travaille à McDo et son modèle, c'est devenir comme Bill Gates, tu comprends bien que c'est compliqué et qu'il va mal vivre le fait de travailler, par exemple, au McDo. Mais par contre, son set de référence, c'est un enfant, c'est des jeunes qui sont dans des pays de guerre, et qui tout ce qu'ils gagnent, par exemple, comme argent, mais ils sont obligés de donner à la famille, ou bien à l'État, ou bien à l'armée. Tu comprends bien que son confort de travail, il est absolu. Donc, autrement dit, toujours, notre set de référence, c'est ça qui nous permet, en fait, de comparer de façon extérieure. Et ça peut être positif comme négatif. Le problème, c'est qu'on tend toujours, nous, à nous plaindre, et non pas l'inverse. Donc, soit homme, femme. Le problème, c'est en fait, on s'auto-sabote par le fait qu'on se met des sets de référence, des idéaux qui ne sont pas réalisables. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit, bon, qu'il montre son physique, à quoi je peux espérer ressembler? Eh bien, je viens de te dire, je ne vais pas te mentir, Coco, mais je ne peux pas te dire à quoi tu vas ressembler. Par contre, je peux t'assurer que je vais t'amener à être au mieux de ta forme, si tu me suis. Tu vois? Parce que le truc, c'est qu'on ne peut pas se comparer aux autres. On est tous différents physiquement.
on a tous une motivation différente. On a tous une vitesse de transformation différente. Par exemple, j'ai des clients, je te dis, hein, ils m'avaient payé des coachings, mais ils n'avaient commencé que un mois et demi après. Et donc, au bout de 3 mois que le suivi était fini, il me dit, oui, mais bon, tu comprends, j'ai commencé qu'un mois et demi après, je me dis, mais c'est pas ma faute. Moi, dès le départ, je t'ai donné le programme, dès le départ, je t'ai demandé des retours, dès le départ, et tu le faisais pas. Donc, c'est pas moi le problème. C'est toi qui ne t'es pas engagé envers toi-même à te dire, Coco, je bouge mes fesses, il faut que j'avance. Pour après revenir voir moi pour dire, oui, mais au final, moi, je me suis entraîné qu'un mois et demi, donc ça compte pas les 1 mois et demi. Donc, tu vois, le truc, c'est que on est tout le temps à chercher des excuses extérieures. On est tout le temps à dire, c'est pas moi la faute, c'est la faute de l'autre. Et ça marche pas comme ça. Le jour où chacun d'entre nous, on prendra la responsabilité et la compréhension que quand on dit que la roue tourne dans une direction, en réalité, c'est nous qui tournons la roue dans une direction. C'est pas Tartempion, c'est pas le voisin, c'est nous-mêmes. Et quand on a cet esprit qui est installé, là, on peut avancer sereinement. Parce qu'en fait, au lieu de fuir les problèmes, on va les combattre. Tu comprends? Ouais, très intéressant. Ouais. Où c'est qu'il se situe le sacrifice là-dedans pour toi? Si on parle de ton expérience personnelle, est-ce que ton adolescence, jusqu'à, je sais pas, tes 20, 25, lorsque t'as vraiment atteint un de tes, enfin, un super niveau, où c'est que se situe le sacrifice? Parce que tu parles, il y avait énormément de plaisir dans tout ce que tu faisais, mais est-ce qu'il y avait des fois des obstacles, des choses où tu devais passer au travers? Je viens de dire, le sacrifice, il a été plus tard. Le sacrifice, lorsque j'étais ado et que je faisais du sport, je faisais pour moi. J'avais aucune intention de faire des championnats. J'avais aucune intention de me la péter sur les réseaux, puisque je te dis, les réseaux n'existaient même pas. Donc, autrement dit, tout ce que je faisais, c'était pour moi. Donc, à la base, je le faisais pour une bonne raison. Maintenant, le sacrifice a été plutôt dans un aspect professionnel. Dans le sens où pendant longtemps, j'ai eu un temps plein en CDI, plus, au minimum un temps plein, voire beaucoup plus, à mon compte, plus les études, plus mes entraînements. Autrement dit, j'étais souvent à 100 heures de travail par semaine, mais je m'en plaignais pas. Dans le sens où, si je faisais ça, je le faisais pour une bonne raison. Enfin, je savais où je voulais aller. C'est comme si tu dis, je veux partir sur la Lune. OK. C'est pas en restant assis dans ton fauteuil que tu partes sur la Lune. C'est peut-être en commençant à faire des études spécifiques dans le domaine de l'aérospatiale, peut-être en faisant de la physique, de la chimie, des sciences, etc., que tu vas peut-être être amené à travailler à l'ESA, que tu vas peut-être être amené à entrer dans une mission lunaire, que tu vas peut-être amené à monter dans une fusée pour être peut-être amené à la Lune. Donc, autrement dit, c'est pas parce que je me dis je vais aller à la Lune que demain je vais à la Lune. Par contre, demain je peux me bouger les fesses pour commencer à initier un chemin qui va m'amener peut-être à la Lune. Donc, autrement dit, moi, je n'ai jamais vu les choses comme un sacrifice, parce que si je voyais les choses comme un sacrifice, par exemple, je m'occupe d'une partie de mon père, de mes parents qui sont handicapés. Et mon père, c'est comme je t'avais expliqué en off, c'est pour ça qu'on a retardé encore nos appels, mon père ne peut plus marcher. Il a une mobilité extrêmement restreinte. Et la nuit, il tombait régulièrement, dû au fait qu'il était extrêmement faible et il avait au niveau donc de son vestibule beaucoup donc de perturbations et donc il n'avait pas d'équilibre. Et donc moi-même, toutes les nuits, de façon récurrente, comme un peu le réflexe de Pavlov, dès que j'entendais un bruit, je pensais que c'était lui qui tombait, donc je descendais. Et donc pendant 2 mois, j'ai eu une nuit très perturbée. L'idée de se dire, je fais un sacrifice. Là, elle est réelle. Pourquoi? Parce que, en réalité, moi, ça m'apportait rien. C'est-à-dire de me lever toute la nuit et d'être là pour mon père et autres. Mais par contre, je viens de te dire un truc. Est-ce que maintenant, en tant que qu'humain, il n'est pas préférable d'accompagner quelqu'un dans ses derniers mois ou années de vie, qu'il ne soit pas seul, plutôt que toi-même, tu sois dans un certain égoïsme et oublier, tu vois, tout de sa vie, de dire c'est ton père, etc., juste pour un confort, tu vois, personnel égoïste. Mais moi, j'ai préféré faire le sacrifice de rester avec mon père, qui peut-être c'est juste ses derniers mois ou années à vivre, et qui ne se sente pas seul, tu vois. Parce que je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont tenu la main de leur père à 2 h du matin, en train de vomir, ou bien en train de faire de la tachycardie, ou bien en train de faire des crises cardiaques, ou bien en train d'avoir donc des poumons remplis d'eau et ne pouvaient pas respirer.
C'est pas beaucoup de personnes qui l'ont fait. Mais le truc, c'est quand tu fais ça, en réalité, ton niveau d'inconfort dans la vie et de difficulté et d'affront sur la difficulté de la vie, mais en fait, tous les jours, tout ce qui se passe, mais c'est du pipi de chat. Pourquoi? Parce que tu as affronté la mort, tu as affronté des problèmes d'argent, tu as affronté des problèmes, tu vois, très divers. Et c'est ça qui fait qu'au final, on devient plus fort. J'ai envie de te dire, je ne veux pas espérer une vie sans problème, je veux espérer donc que à chaque fois que j'ai un problème, je sois assez fort pour l'affronter. Tu vois cette différence? Et quand je parle de sacrifice, le sport n'a jamais été un sacrifice. Parce que malgré la fatigue et autres, je savais très bien que le fait de continuer de m'entraîner me gardait en fait une certaine autodiscipline. Bah, cette autodiscipline, j'en avais besoin pour mes activités annexes au sport. Une de tes vidéos les plus vues sur ta chaîne YouTube, elle concerne les tendinites et des différentes solutions. Enfin, tu proposes différentes solutions pour s'en sortir et pour essayer de guérir au plus vite. Est-ce que, je sais plus de quand date cette vidéo exactement, est-ce que depuis tu as rajouté un peu cette approche un peu plus psychologique par rapport à cette histoire de sacrifice, comment tu perçois la blessure et comment tu peux t'en sortir avec la thérapie comportementaliste? Est-ce que ça t'a aidé? Alors, disons que la tendinite ne va pas avoir trop d'impact sur. On va dire, ce n'est pas parce que tu es pas bien dans ta tête que tu vas te blesser. Par contre, cependant, si tu es très mal et que tu vois l'entraînement comme un moyen, un échappatoire à ce mal, donc tu vas en réalité t'entraîner dans des extrêmes. Donc là, ça devient un problème. D'accord? Maintenant, il faut savoir une chose. Imagine que nous sommes des véhicules ou nous sommes des machines. Cette machine-là, elle demande un entretien. Cette machine-là, elle demande un renouvellement des pièces. Et le corps, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à la seconde, on a des millions de cellules qui sont renouvelées, mais si initialement nous créons une blessure, on devra avoir une récupération. Alors forcément, une fracture n'a même pas n'a pas la durée qu'une tendinite, qu'une déchirure, qu'une entorse, etc. Mais lorsque nous nous blessons, déjà, nous avons une peine psychologique qui se crée. C'est-à-dire que potentiellement, on se croyait invincible, la blessure est là, on a créé une blessure, mais une blessure aussi mentale. Donc c'est vrai que le plus vite on se soigne, plus vite on récupère tous nos moyens physiques et mentaux. D'accord? Alors moi personnellement, je suis amené à prendre régulièrement du collagène. Alors là actuellement, j'ai recommencé une cure de collagène. Je prends à peu près 20 grammes par jour de collagène que je répartis dans mes repas. Et de suite, je ne te cache pas que mes douleurs articulaires, au niveau de l'épaule, biceps, dorsaux, au niveau des genoux et autres, elles sont énormément atténuées. Dans le sens où, il faut savoir qu'au niveau alimentaire, c'est très compliqué de récupérer du collagène biodisponible. Parce que nous ne sommes pas amenés à faire des bouillons de carcasse. Ouais, des bouillons d'os, ouais. Voilà, exactement. C'est pas quelque chose qui est conventionnel. C'est pas dans notre culture. Et par ce biais-là, lorsqu'on parle, par exemple, de manger du poulet ou de la viande, en fait, on est amené à penser, en réalité, viande maigre. Et la viande maigre est quasiment dépourvue, en fait, de collagène. Oui, on est conditionné à enlever la peau aussi, qui est le principal constituant de collagène. Tout ce qui peut nous amener, en réalité, un bienfait, on est conditionné, en fait, à l'enlever. Et par ce biais-là, on a de la supplémentation, donc des compléments alimentaires, qui peuvent être extrêmement riches et intéressants. De la glycine, du chondroïtine, du glucosamine, donc le collagène, l'hydrolysat de collagène, donc c'est un collagène qui a été prédigéré, on va dire, hein, simplement, qui a été séquencé sous forme de peptide pour qu'il soit similaire au niveau des intestins. Puisque le collagène en tant que tel, si on le prend, le collagène, je veux dire, de la gélatine, ce que tu veux, on ne peut pas le digérer. On n'a pas l'appareil enzymatique pour. Et donc, la blessure, je viens de te dire, comme une machine qu'on doit entretenir, arrive un moment où on est quasiment obligé de faire cet entretien. C'est-à-dire qu'une personne qui pense pouvoir s'entraîner tout le temps à fond, sans croire, ou croire plutôt qu'il n'y aura pas de conséquences, bon, ben, au pire, le gars est innocent, plutôt au mieux, le gars est innocent, au pire, il est con. C'est-à-dire qu'on peut, ce n'est pas possible dans le temps de ne pas avoir de blessure. Quand tu vois par exemple, dans le sport professionnel, imagine tous les moyens qui sont mis en place
pour que l'athlète ne soit pas blessé ou pour que l'athlète blessé revienne donc sur le devant de la scène le plus vite. Donc c'est là qu'on appelle le dopage, hein, simplement, à travers des peptides spécifiques, des hormones de croissance, ce que tu veux. Un travail de chirurgien chimique. Mais l'idée ici, c'est de se dire, que se passe-t-il ? Donc, quels sont les facteurs aggravant une blessure ou quelles sont les choses qui nous amènent à la blessure ? Une personne, par exemple, qui est trop active, donc qui s'entraîne avec des charges trop lourdes, avec une mauvaise technique. Des personnes, par exemple, qui ne s'entraînent pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'au lieu que l'entraînement soit quelque chose pour construire son corps, en réalité, elle est dans l'optique de détruire son corps. C'est Gundil qui disait récemment qu'il lui faisait bodybuilding et pas body destruction. C'est possible. Gundil est un bon ami et on va être mené à refaire des vidéos ensemble d'ailleurs. Et ça, c'est vrai que c'est une réalité. C'est-à-dire que le bodybuilding, c'est de la construction, tu vois, et ce n'est pas la destruction. Et le problème, c'est que les gens, c'est vrai que peuvent ne pas comprendre cet aspect-là. C'est-à-dire que le no pain, no gain, j'ai envie de te dire, comme j'avais expliqué à Ben Fato, moi, j'appelle plutôt le no brain, no gain. C'est-à-dire que si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas malin, tu ne peux pas être mené à avoir une progression sur long terme sans trop de blessures. Parce que la blessure, quoi qu'il en soit, c'est obligé. Parce que, regarde, une personne qui a une musculature qui est hypertonique, qu'est-ce qui va se passer? À froid, elle fait un mouvement, plaquage. Est-ce que c'est à l'entraînement qu'elle s'est blessée? Non. Au quotidien, je tombe. Bon, mais c'est pas ma faute, je suis tombé. C'est une notion qui est pourtant normale. Au quotidien, mettons, je dois ramasser une charge. Eh bien, il suffit juste que, par exemple, mes muscles stabilisateurs ne s'activent pas ou mal, ben, je me blesse. Donc, autrement dit, la blessure, je veux dire, elle est récurrente, elle est réelle, c'est une réalité. Mais maintenant, à travers des mouvements spécifiques, à travers des pommades, à travers des petits traitements, à travers des supplémentations, à travers une alimentation qui est plus équilibrée, on va accélérer la récupération. C'est une prise en charge qui va au-delà d'un simple complément. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le complément, c'est juste la cerise sur le gâteau, on dirait. Oui, voilà, c'est ça. C'est la petite pierre à l'édifice global. Quelle a été ta plus grande blessure à toi, qu'elle soit liée à la musculation ou même dans un autre sport? Est-ce que tu as une expérience particulière? J'ai eu fait des fractures, des déchirures ligamentaires, musculaires, des belles tendinites, mais de très loin, c'est des hernies discales. Hein. L'hernie discale a été pour moi les plus grosses blessures que j'ai eues et que je traîne malheureusement, ainsi qu'un coup du lapin où j'ai eu des hernies donc cervicales. Et c'est vraiment les blessures de loin qui, on va dire, handicapent le plus. Hein. Une fracture, l'os va se réparer, pas de problème. Tu vois. Mais l'hernie, c'est très compliqué de vivre avec. Comment tu le gères ça au quotidien? Est-ce que tu as des douleurs récurrentes ou ça va mieux aujourd'hui? Ouais, je suis contraint au quotidien quand je m'entraîne de m'entraîner en dessous de toutes mes capacités. C'est-à-dire que, admettons, si je sais que j'ai un potentiel, alors regarde, on est quoi? Il y a 2 mois, je me suis fait un peu un travail d'auto-hypnose et je sais que mon physique était bon. J'ai fait un travail d'auto-hypnose et de conditionnement mental extrêmement fort. Et j'ai tapé 214 au squat. C'était mon record absolu. Bon, nerveusement, c'était juste avant que je commence à être ultra crevé, etc. C'était à peu près dans la tangente ou pente descendante. De faire cette performance sportive incroyable par rapport à tout l'environnement, etc., a fait que ça m'a créé une tête nerveuse extrêmement forte. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais tenter tous les mois. C'est quelque chose que je tente 1 à 2 fois par an. Par exemple, un développé couché max, j'ai fait l'année dernière 160. C'est pas quelque chose que je vais refaire chaque mois. Parce que nerveusement, je vais me cramer, en réalité. Puisqu'en réalité, on a un déficit de force qui correspond à notre potentiel de force et ce qu'on arrive à développer. Et plus notre système nerveux est sollicité, donc un schéma nerveux plus est sollicité, mais moins en réalité il va être performant. C'est-à-dire que par exemple, si à froid, tu n'es pas capable d'avoir des contractions donc isotonique ou isométrique pardon forte, c'est-à-dire que ton système nerveux il est fatigué. Et ça c'est une notion que tu peux que acquérir avec l'expérience, avec le temps. C'est-à-dire qu'il faut ultra se connaître pour ça. Et aujourd'hui quand je m'entraîne avec une très grande intelligence. Tu vois, si demain par exemple je sais que au niveau de mes jambes je suis amené à ne pas pouvoir faire un travail de construction musculaire, bon mais s'il fait pas trop mauvais je préfère aller marcher. Tu vois?
Ouais, je vois, ouais. Est-ce que t'as déjà essayé le yoga, la méthode, je pense à par exemple la méthode Mackenzie qui à un moment donné était très populaire en ce qui concerne les hernies discales. Tu t'es déjà penché sur ce genre de pratique? Au niveau de mes hernies, je fais des exercices posturaux spécifiques qui m'amènent à améliorer tous les muscles qui vont stabiliser. D'accord? De telle sorte que je limite tous les facteurs potentiels de me reblesser. Tu vois? Puisque quand tu te reblesses une blessure, c'est pas comme la première fois, c'est encore pire. C'est le principe de la cicatrice qui est jamais de même. Le tissu cicatriciel ne sera jamais de même qualité que le tissu original. Donc ça revient jamais à 100%. Donc c'est toujours de plus en plus fragile. Exactement. Donc plus tu t'es blessé à un endroit, plus tu es amené à te reblesser facilement et connement. Et par ce biais-là, disons que j'ai une préparation au niveau de tous mes axes, au niveau de tout mon gainage en soi, pour limiter ces blessures, tout simplement. Et admettons, dans un certain orgueil et ego, je le mets au placard quand il le faut. Ouais, je me souviens dans une des interviews, enfin, tu avais fait une interview où tu disais que tu arrivais parfois à être ton propre ostéo. Donc c'est intéressant. Tu arrives à sentir de manière assez précoce quand quelque chose ne va pas, quand il te manque une récupération, quand tu vas vers la blessure et tu arrives à prendre le problème un petit peu à la base et à corriger ce qu'il faut. Comment dire, une espèce d'instinct de ton propre corps qui s'est développé comme ça. C'est-à-dire que quand tu sais c'est quoi une tendinite, tu as mené de façon aiguë à analyser cette douleur-là qui a une spécificité. Quand tu as une petite micro-déchirure, tu sens cette douleur qui a une spécificité. Quand tu as une douleur nerveuse, tu as une spécificité dans cette douleur-là. Autrement dit, notre système nerveux récupère l'information et te l'envoie. Et en fait, le but, c'est essayer de traduire cette douleur. Moi, la problématique, quand j'ai mes kinés à distance et ils ont mal, c'est vrai que qu'une personne n'a jamais eu mal comme ça, c'est très compliqué d'expliquer une douleur, tu vois. Parce que c'est une sensation intérieure, tu vois, qui est très très subjective. Ouais, c'est Tu ça, vois, j'allais c'est le pas dire. blanc, noir, rouge, bleu, machin, truc, non. Tu vois, et même de localiser avec une certaine justesse la douleur peut devenir compliqué. Là, actuellement, j'avais mal à l'épaule et en réalité, c'est mon petit rond qui était blessé. Et quelqu'un va dire, tu vois, j'ai mal à l'épaule. Oui, mais ça ne veut rien dire en réalité. Oui, bah c'est dans la zone de l'épaule, quoi, mais effectivement. Exactement. En réalité, j'ai essayé d'analyser en bougeant mon épaule dans tous les sens, en mettant des tensions spécifiques dans les angles spécifiques, et j'ai capté que c'était mon petit rond qui était soit un petit peu lésé, soit qu'il y avait une blessure réellement. Et là, ça va beaucoup mieux, clairement. Et t'as une idée de quel exercice ou quel mouvement a pu te provoquer cette douleur au niveau du petit rond? À force de soulever mon père, à force de soulever mon père qui était par terre, puisqu'il fait plus de 100 kilos, donc, et à froid, en pleine nuit, quand tu es obligé de prendre une ceinture lombaire, plus une ceinture de force, que tu es obligé de faire des petites pompes au sol ou t'étirer pour soulever ton père au sol, à 2 h du matin, t'es pas prêt, tu vois? Et du coup, tu te blesses, parce que le but, c'est pas que tu te dises, bon, j'ai mal, pas mal, c'est que ton père reste pas par terre 3 heures. Est-ce que dans ce schéma de prendre soin de son corps, de sa récupération, mettre un petit peu tout ce qu'il faut de son côté pour entretenir la machine, tu consultes des professionnels? Est-ce que tu fais des bilans, par exemple sanguin régulièrement? Est-ce que tu vas voir ton médecin? Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de bilan. Alors, bilan sanguin, oui, je fais. Puis après, moi-même, j'analyse un peu mes analyses sanguines, puisque je me suis éduqué là-dessus. Mais admettons de voir des spécialistes. Je suis quelqu'un qui est tout le temps en train d'étudier, tu vois. Alors, non pas que je remplace le boulot de tel ou tel spécialiste. J'en ai pas du tout cette prétention. Mais c'est vrai que si, admettons, je veux savoir quelque chose ou comprendre quelque chose. Je vais essayer de la comprendre, l'analyser, étudier le métabolisme, étudier la physio, pour justement ne pas être dépendant des autres. Tu vois? Alors non pas que le travail des spécialistes est futile, c'est pas du tout ça, mais c'est que dans mon milieu, le truc c'est que depuis maintenant quasiment 10 ans, il n'y a pas un seul jour où on m'a pas posé une question. Tu vois? C'est-à-dire... Admettons, à chaque fois que quelqu'un me pose une question, on me pose une problématique. Et donc, je suis amené à aller chercher cette problématique.
Et par ce biais-là, à chaque fois qu'on m'a posé une problématique, en réalité, je me suis enrichi de connaissances. Et Via tes clients ou tes suivis. même sur le réseau. Et de ta visibilité que tu as aujourd'hui, ouais. Ouais, ça. Exactement. Donc, du coup, moi, avec mes clients, je me suis ultra spécialisé. Et à chaque fois qu'on m'a posé des questions, au final, ben, je me suis quand même amélioré. Et c'est vrai que toutes ces connaissances-là, forcément, moi, je suis mon propre laboratoire. Tu vois? C'est-à-dire que malgré qu'on est tous différents, on a tous des similarités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau. Par exemple, moi, je tombe malade tous les 2-3 ans. Un rhume, tu vois. En fait, je ne suis jamais malade, littéralement. Et si je tombe malade, dans 3 jours, c'est plié le truc, l'affaire. Et même si, même si le fitness et la musculation s'est énormément démocratisé ces dernières années, ça reste quand même un sport plutôt marginal. Et disons que les experts ou les spécialistes en blessures, en douleurs, que ça soit, que ça soit des ostéopathes ou que ça soit des médecins ou des kinés ou tous ces thérapeutes, qui sont spécialisés ou en tout cas qui ont de grandes connaissances dans ce sport-là, ça reste quand même assez restreint, hein. Pourquoi c'est restreint? Parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Il n'y a pas d'argent à se faire. Pourquoi ils ne font pas beaucoup d'études dans le milieu de la complémentation? Pas la complémentation, dans le milieu de la musculation. Parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Ou peu, en comparaison à d'autres sports ou à d'autres, par exemple, domaines de la science. C'est surtout ça le problème. Tu vois? Qui fait que finalement ceux qui s'y connaissent et ce sont les plus passionnés ou Ça, ceux ce qui sont n'ont des. pas d'intérêt Sont des derrière. niches. Une personne, par exemple, qui va écrire un livre, j'en sais rien moi, sur la comparaison de l'hypertrophie mécanique et d'hypertrophie fonctionnelle, ben, s'il le fait, c'est parce qu'il le fait par passion, c'est pas parce qu'il fallait lui rapporter forcément beaucoup d'argent. Tu vois? Ouais, c'est même ce que disait Gundy là. Ou je sais même plus qui, je crois qu'il y avait un coach qui avait fait différents. Je sais plus de qui je parle exactement, mais ça reflète assez bien là ce que tu dis. Il avait fait plusieurs programmes ou plusieurs livres sur différents groupes musculaires, mais il lui manquait de faire les jambes, de faire toute la partie des jambes, et c'était quelque chose qu'il voulait faire, mais en fait, il y avait tellement peu de demandes à ce niveau-là que. Il se voyait pas passer des heures à faire un programme, faire une formation spéciale pour les jambes, parce qu'il y aurait trop peu de commandes derrière. C'est quand même assez dommage. C'est ça la réalité du terrain. C'est-à-dire que les gens, le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. Tu vois, clairement. Donc, forcément, si tu es amené à travailler dur sur une thématique qui ne va pas être prolifique, tu comprends bien que tu vas pas vouloir tendre dans cette trajectoire, dans cette direction, puisque tu sais très bien que c'est une impasse. C'est ça, ouais. Donc, ce qu'il y a, c'est que. Là, la problématique qu'on a, c'est que dans nos champs de connaissances, on est limité par l'argent. Tu vois? Et souvent, quand tu vas récupérer des analyses sur la nutrition, sur les suppléments, et c'est la marque même qui a fait l'analyse. Donc, en fait, il y a une aversion, tu vois, il y a une problématique au niveau des résultats, puisqu'en réalité, ils ont été payés des scientifiques pour avoir une certaine tangente dans la. Oui, voilà, c'est ça, les résultats sont orientés, il y a des biais, ouais. Tu vois? Ouais. Alors justement, pour rester sur ces sujets un petit peu de niche, enfin de niche ou de choses plus spécifiques, on parlait de morpho-anatomie tout à l'heure, donc effectivement, tu nous parlais du fait que tu sois bréviligne, que tu aies des segments petits comparativement au buste. Est-ce que tu as des exercices, alors bon, moi je m'en doute évidemment, mais c'est pour que tu nous en parles un peu de ton expérience. Les exercices où tu es le plus à l'aise, lesquels sont-ils? Moi, ayant des fémurs courts et puis après une certaine souplesse au niveau des épaules et aussi une souplesse au niveau des hanches, genoux et chevilles, le squat pour moi c'est un mouvement qui est naturel, d'accord? Dans la même idée, je vais avoir le soulevé de terre qui est naturel. Après, dans la même idée, j'ai des segments supérieurs, donc les bras qui sont courts avec une cage qui est très développée, ce qui fait que le développé couché, je suis extrêmement bien dans ce mouvement-là. Donc tu vois? J'ai un ensemble de spécificités qui font que je suis fort, voilà, pour la musculation, pour la force. Dès lors où
on a un facteur de force, donc un mouvement, ce qu'on appelle la force athétique, ben, je suis quasiment adapté. Tu vois? Par exemple, lorsque j'étais ado, j'ai mes potes de la musculation de la salle militaire qui me disent « Mais putain, mais pourquoi tu fais pas de la force athlétique ou de la force basque ?» En compétition, je parle. En réalité, mais ça m'intéressait pas. Par contre, j'étais heureux à chaque fois que je battais mes records. T'as de bons leviers. Exactement. Voilà, mes leviers, les angles de travail, la personne qui longiligne, eh ben, elle va devoir faire une course, donc un champ spécifique beaucoup plus important que moi pour faire en réalité une seule répétition. Tes points faibles musculaires, tu les as identifiés depuis un moment? Mais disons que c'est plutôt des insertions. Par exemple, mes ischios ainsi que mes biceps, donc les muscles fléchisseurs, ils sont très courts. Ce qui fait que j'ai de fortes tendances à pouvoir me blesser. Est-ce que tu mets toujours autant d'intensité dans tes entraînements pour essayer de les développer ou tu as un peu laissé tomber ton acharnement sur ces groupes musculaires parce que tu sais que génétiquement, ça va être compliqué? Bon, clairement, je ne peux plus progresser, hein. J'ai dû prendre 2 kilos de masse musculaire. Quand on garde le ratio body fat, tout ce que tu veux, tu vois. J'ai dû prendre 2 kilos de masse musculaire en 4-5 ans, quoi. Je n'ai pas progressé quasiment. Mais quand tu parles de 2 kilos, c'est comme si tu m'avais ajouté 20 steaks hachés sur mon corps. Tu vois? C'est ça. Ouais. Quand on parle de 2 kilos, quand une personne me dit j'ai pris 10 kilos, par exemple, si elle me dit j'ai pris 10 kilos de muscle, ça signifie qu'elle s'est foutue 100 steaks sur le corps. Ouais, non, mais on n'a pas idée d'à quoi ça ressemble en réalité, ouais. Les gens n'ont absolument pas du tout idée de cette réalité-là. Maintenant, pour revenir plus sur l'actuellement, je m'entraîne toujours de façon la plus intensive par rapport à ma forme du jour. C'est-à-dire que des fois, d'un coup, je vais avoir des performances qui vont péter. Pourquoi? Parce que peut-être pendant 2 jours, je ne me suis pas entraîné et que j'ai bien dormi. Mais dans une certaine constance, c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement compliqué de progresser. J'ai plus tendance que mon objectif est de rester au mieux de ma forme plutôt que d'avoir une idée de progression. Ouais, tu te cherches à maintenir le physique que tu as le plus longtemps possible et avec la meilleure qualité possible, plutôt que dépasser maintenant tes Plus performances. élevé possible, c'est ça. Le physique le plus élevé possible, le plus longtemps possible. C'est-à-dire que moi, déjà, au niveau de mes segments, au niveau de ma taille, au niveau de tout, je veux dire, tes points forts resteront des points forts, tes points faibles resteront des points faibles. Tu vois? T'as des pecs qui sont longs, tu auras des super pecs. T'as des biceps qui sont courts, tu auras toujours des biceps courts. Tu vois? Et à force de t'acharner dessus, tout ce que tu vas réussir à faire, c'est les déchirer. Tu vois? Mais il y a un équilibre. Tu vois? Il y a un équilibre à avoir. Ça, c'est bien d'en prendre conscience. Hein. Et beaucoup de gens n'ont pas conscience de ça. Et justement, ils disent, je veux être comme lui. Mais t'es pas fait comme lui. C'est comme si tu t'es un coupé cabriolet, tu dis, je veux être un break. Mais tu peux pas être un break, mon gars. T'es un coupé cabriolet. Ouais, mais pour certains adolescents ou les jeunes adultes, c'est parfois difficile à accepter le fait qu'on pourra s'améliorer, mais on pourra pas se changer, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, si t'es bréviligne, tu seras jamais longiligne, déjà. Mais cette notion de morpho-anatomie, beaucoup de gens ne l'ont pas. Tu vois? Et quand, par exemple, les gens, ils vont avoir une idée en tête qui est tronquée, ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, mais ça n'existe pas. C'est un psychologue, en plus, qui a créé cette idée-là. Ouais, alors on en parle de moins en moins, hein. Moi j'ai l'impression que c'est ça y est, ça commence à être accepté que c'est pas bon, mais. Et encore heureux. Et encore heureux. Pour terminer, j'aime bien poser trois petites questions. Alors la première, c'est tout simplement quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné et que toi tu donnerais à quelqu'un qui commence la musculation, qui n'y s'y connaît pas vraiment, là, qui vient de débuter, tu lui dirais quoi en premier? Alors, je sais pas si on m'a donné réellement de conseils, mais moi, en tant que conseil, je peux te dire, c'est essayer d'apprendre les mouvements comme si en fait on apprenait des katas. C'est-à-dire qu'en judo, en karaté, en n'importe quel sport de combat, on va apprendre le mouvement avant de taper rapidement, tu vois, ou avant de faire un combat. Là, c'est pareil. Apprendre le mouvement, apprendre le pattern, tu vois. Et une fois que le pattern est là, je peux me dire, je vais augmenter l'intensité. D'accord, donc vraiment la technique en premier lieu, avant quoi que ce soit, avant toute notion. Toujours, toujours.
Deuxième question qui rejoint un petit peu la première, c'est qu'est-ce que tu dirais ou quel conseil donnerais-tu la toute première chose à faire de quelqu'un qui vient de se blesser ou qui présente une douleur à l'entraînement? La toute première chose que tu lui conseilles de faire? Déjà, arrêter de s'entraîner, tu vois, et essayer d'analyser l'endroit où il a mal, tu vois, cette notion hyper aiguë. Ça vraiment, ça c'est une priorité, d'accord? L'étape supérieure, c'est voir si ce niveau de douleur lui demande d'arrêter l'entraînement totalement pendant juste la séance ou sur le plus long terme, d'accord? À partir de là, si la personne vraiment s'est blessée de façon, voilà, il y a une déchirure ou autre, qu'elle arrête de s'entraîner pendant plusieurs semaines et qu'elle aille voir un spécialiste dans le domaine. Si, dans son entourage proche, elle ne peut pas avoir de réponse. D'accord. Et enfin, la dernière question, est-ce qu'il y a une référence, un livre, un coach, alors mis à part toi, évidemment, mais un livre, par exemple, que tu recommanderais à quelqu'un qui veut améliorer ses connaissances, que ce soit soit en musculation, soit en sport, ou même en tout ce qui est comportement, hein, finalement, hein, en psychologie? Hein. Alors, aucun livre ne pourra recueillir autant d'informations liées. Par contre, par exemple, il est clair et net que le livre, le guide de la musculation de Lavie, le guide donc, de la méthode de Lavie, hein, est un outil indispensable. Je dirais peut-être que le guide de Lavie et la méthode 2 serait la méthode la plus adaptée, tu vois, pour l'ensemble des gens. Tu parles du guide des mouvements ou du guide de la musculation? Guide de la musculation, pas les mouvements peut-être. En fait, les deux sont liés. Mais là, je parle spécifiquement. Ouais, le guide de la musculation est plus complet. Est plus complet, il va chercher. Ouais, complètement. Parce que en réalité, dedans, la personne va avoir une notion de ce qu'est un entraînement. Ce qui rejoint aussi un petit peu le premier conseil qui est d'apprendre le pattern et d'apprendre la technique de comment faire le mouvement. Exactement. Parce que je viens de te dire un truc, quoi qu'il en soit, quand tu acquiers une connaissance, cette connaissance te permet d'ouvrir les yeux sur de nouvelles connaissances que tu n'as pas. Parce que, comme je t'ai expliqué en amont, quand tu commences un domaine, une thématique, tu ne sais pas ce que tu sais, tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, et tu ne sais pas encore ce que tu ne sais pas. Mais quand tu as des livres comme Delavier, ça te permet déjà de savoir ce qui existe et au fur et à mesure d'aller dans la bonne direction. Super. Ben, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais rajouter? Que les gens, en fait, il faut qu'ils fassent les choses pour eux, tu vois, pas pour les autres. Avant tout, de faire les choses par passion, de trouver, de découvrir des activités sportives, personnelles, enrichissantes, qui les amènent à progresser dans la vie, dans tous les domaines. Qu'ils arrêtent de procrastiner et que, quand ils disent quelque chose, ils le font. Où c'est qu'on peut te retrouver si on souhaite te suivre, si on souhaite te contacter? J'ai essayé de simplifier un maximum toute la connexion entre mes réseaux. Quand on tape Juanito Coaching, on trouve mon site web, on trouve mon Facebook, on trouve mon Instagram, on trouve mon YouTube. En fait, on me trouve partout. Juste en D'accord. tapant Juanito Coaching. Bah, de toute façon, je laisserai tous les liens en description. Il y aura tout ce qu'il faut. Bah, écoute, je te remercie de cet entretien. C'était très intéressant. On a abordé pas mal de sujets, beaucoup sur la psychologie, le comportement aussi, qui est quand même à la base de pas mal de choses dans le sport, dont on parle de plus en plus, mais c'est toujours bon vraiment de creuser là-dedans. Hein. Bien sûr, tout à fait. Super. Bah, je te remercie. Merci à toi, Jérôme. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter Juanito parler et nous expliquer un petit peu ses différentes pensées, ses différentes réflexions autour du comportement et de l'activité sportive. Vous pouvez retrouver Juanito sur ses réseaux sociaux ainsi que sur son site web si vous voulez connaître un petit peu plus sa méthodologie. Je laisserai tous les liens en description de l'épisode. Si vous aimez le podcast Biomécanique, et que vous souhaitez me le faire savoir, vous pouvez me laisser une petite évaluation 5 étoiles sur iTunes, ou si vous n'avez pas iTunes, simplement laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Ça aide le podcast à mieux se classer, à être découvert par de nouvelles personnes, et ça m'aide aussi à produire de nouveaux épisodes, être plus régulier, et avoir des invités de plus en plus prestigieux. Également, si cet épisode vous a plu et que vous voulez
écouter les prochaines interviews qui sortiront. Je vous invite à vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui pratiquent la musculation et qui souhaitent améliorer leur entraînement et se débarrasser de leurs blessures, j'envoie un email par semaine à ma liste de contacts. Dans ces mails, je vous donne des astuces, des conseils pour améliorer vos séances de musculation et je vous aide à mieux comprendre tout ce qui est morphologie, mécanique du corps pour que vous puissiez construire un entraînement personnalisé, améliorer vraiment votre récupération et guérir au plus vite de blessures. Ce sont mes emails privés. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans les notes de l'émission pour accéder à la page d'inscription. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du podcast Biomécanique.